Depuis ces deux dernières années, les investissements de l'État ont permis à la Côte d'Ivoire d'être autosuffisante en production gazière. Des investissements qui ont favorisé le renforcement des installations de production, permettant la fabrication et le remplissage des bouteilles de gaz sur place. Ces efforts font de la Côte d'Ivoire une référence dans le golfe de Guinée en matière de production du gaz domestique. C'est ce qui a attiré l'attention du ministre équato-guinéen en charge des industries, de l'énergie et des mines. En visitant les installations de la Petrosi, Gabriel Obiang-Lima a vu les innovations et la performance de cette entreprise d'État. Chose qui l'ont poussé à souhaiter une coopération avec la Côte d'Ivoire. Les responsables de la Petrosi et ceux du ministère du Pétrole et de l'Énergie ont demandé que cette coopération soit des échanges d'expertise pour le développement des activités gazières. La Petrosi dispose de 3 sphères de stockage d'une capacité de 6300 tonnes avec une production journalière de 300 tonnes de gaz.